Alors aujourd'hui c'est l'essai numéro 2 des pneus tout-terrain. Ça va être beaucoup plus hard, on va avoir besoin de beaucoup de motricité et comme d'habitude on va commencer par dégonfler les pneus. Vous avez été vachement nombreux à me demander ce que c'était. C'est des dégonfleurs automatiques et comme c'est bientôt la fête des pères, je vais vous mettre un lien en description. Ça passe, hein. À mon avis, avec la 205 à l'aise. Hein. Allez, il y en a à peine jusqu'au capot. À peine jusqu'au capot. Je vais quand même mettre une sangle en préventif. Hein. Pas faire passer l'eau sur le capot, il faut y aller doucement, pas faire de vagues, et une fois que je suis dedans, mettre un peu de gaz pour pas qu'elle aille en plus. Hey, j'ai quand même eu de l'eau jusqu'ici, je vais voir ce que la boîte à air a pris, parce que j'ai pas de snorkel. Nickel. Ça c'est la petite préparation maison, on l'a déconnecté, si le moteur prenait son air ici, il aurait gobé de l'eau. Du coup je l'ai déconnecté pour que ça soit un peu plus haut. Et ça a fonctionné. Donc là il a pris sur la gauche parce qu'on évite, il y a une continuité de bourbier impossible là. Ensuite on ira repiquer sur la droite dans la dernière flaque qui est ici. Les deux bagnoles ont passé le petit contournement et ensuite ce bourbier, il est pour nous. Yes, vas-y. Tout à droite, vas-y, vas-y, vas-y. Gaz. Là, il a quand même bien frotté tout le long. Au petit monstre. Là, je vais coller l'arbre. Là, j'ai la roue qui descend, j'ai la roue arrière gauche qui va lever. Ensuite, j'essaie de descendre l'autre et puis de reprendre les traces. Il va falloir ouater. Hein. Je pense que ça va être sport. Allez, c'est parti. La marche, elle fait combien là? Mets ta botte dedans pour voir. Elle est grosse. Bah, le fond est mou. Le fond est mou. Eh. Pratique. Bon, autour du petit monstre jaune. Mm-hmm.
quand même, hein. Moins facile à pied, hein. C'est plus facile en 205. Abonnez-vous. Un peu frotté, mais bon, en fait ça motrice, hein, ça tire et puis c'est léger. Là je serais dégoûté que je passe au truck et que tu passes sans. Honnêtement. Eh, il a la pression, vous avez vu ça? Marche un peu, filme comme c'est gras. On va vous montrer ça après. On est allé faire un petit aller-retour là-bas. C'est très 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 gras. Ouais. Donc là, tu branches ton treuil. Ouais, exactement. Elle fait 100 kg, il a 100 kg d'outils. Oui, c'est ça de rouler en lande. Moi je suis en 205, j'ai quoi? Rien, parce que t'as un véhicule d'assistance. Donc là, Fred est prêt à y aller. Je vais vous montrer un peu le terrain comme il est gras. Là, t'as littéralement posé sur toute la longueur. Je serais passé avec de la vitesse. Je voulais pas t'éclabousser. Ah, c'est gentil. Bah oui. Ouais. Franchement. Ouais. Non, mais là, je sais que je vais pas passer. J'ai une sangle, j'ai le treuil, j'ai tout ce qu'il faut. Non, mais de toute façon, t'es passé ici. Le test, c'est quoi? C'est la 205 contre le disco. Donc là, j'ai un peu pas le choix en fait. Hein, c'est ça. Je te laisse faire. Hey, Baptiste. Ouais. Tu vas prendre de l'élan ou pas? J'ai pas le choix. C'est parti. Voilà, la sangle est tendue. Quand même, hein. Disco 205, égalité, hein. C'est vrai qu'on s'est planté tous les deux. Disco 205, égalité.
Bon, je vais conduire le disco parce que depuis que j'ai vendu le mien, ça me manque énormément. Depuis tout ce matin, je suis passé avec la 205 partout où le disco est passé. Donc j'ai envie d'être sûr que ça passe mieux qu'une 205. C'est léger. Je sais pas quoi te dire. Bon, de vous à moi, j'ai été impressionné par la 205. J'ai été impressionné par ses capacités de franchissement par rapport au disco. Bon, le disco est quand même bien supérieur, hein. Il est fait pour ça, ça passe en douceur, en finesse, on n'abîme rien. Mais c'est toujours vachement sympa de pouvoir suivre un 4x4 avec une traction un peu modifiée. J'ai une annonce à vous faire, je vais pas vous la faire tout de suite, ce sera vendredi prochain. Mais pour info, vous avez été nombreux à me demander une rencontre abonnée et je suis en train de vous préparer quelque chose. Je vous dis tout vendredi 15 juin. Donc notez la date, activez les notifications et on se retrouve vendredi. Allez, ciao !